Zacharie Akone, comment vas-tu? Ouais, la vieille mère, hein. Nathalie Gaël, bonjour. Frédigo, bonjour. Oumaru Konate. Salut à toi. Freddy Go. Bonjour. Cette chanson, c'est ma chanson, c'est pas la chanson de quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas la chanson de quelqu'un. Voilà. Ce que j'ai à vous dire, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas, les gens vont croire que c'est la chanson de quelqu'un. C'est rentré en haut, c'est sorti en bas, machin. C'est ma chanson. Ils viennent d'envoyer le courant. C'est-à-dire, les appareils sont branchés là. Et puis, on coupe le courant à tout moment. On coupe le courant à tout moment. Et quand le courant, lui, vient, il est violent. Il est violent, il gâte les choses. Paraît que il y a 10 maisons qui ont pris feu au groupement foncier là-bas. Celui que ça a commencé dans sa maison, il a voyagé, il n'était pas là. Il n'était pas là. Comment éteindre? C'est la vie, bonjour. Comment éteindre? Le temps, ils vont éteindre là. Ça a pris 10 maisons. Aujourd'hui, il y a 10 familles qui sont dehors. On connaît la famille africaine. Il y a combien de personnes par famille? Ça, chacun le sait. Quand tu es en train de coucher, vous êtes au moins 5 dedans. Tu as 2 chambres salon ou bien une chambre salon, vous êtes au moins 10. Quand tu as 2 chambres salon, ça veut dire que ah, le village est là. Donc, ils ont coupé, ils ont ramené violemment. Moi, je suis en train de regarder la télé, je ne voulais pas faire de direct aujourd'hui. J'étais en train de regarder la télé parce que je n'ai pas bougé aujourd'hui. Et voilà qu'ils ont coupé. Le matin, ils ont coupé. On était là. Après, ils ont recoupé maintenant encore. On est tout le temps là. On ne peut pas se plaindre. Salut Brazzaville. Je suis là-haut. Je prends de l'âge, mais bon, je suis là. Hein. Je suis là. Claverie Yuan. Lou Yuan. Salut. Gébli Monique Digbe. Bonjour. Donc, c'est comme ça. Il coupe le courant, il ramène comme il veut. Quand il y a coup-circuit, tu perds tout. Mais qui es-tu, toi, par exemple, moi? Qui suis-je? Hein? Qui suis-je pour aller me plaindre? Je me plains où même? Chez qui? C'est ça le problème. C'est pas bien. C'est pas bien. Avertissez les gens. Hein? Avertissez les gens avant de couper. Mais quel temps vous avez pour avertir? Si vous coupez brusquement. Et puis après, 2 heures de temps, vous ramenez. 3 heures de temps, vous coupez encore. Et tout le temps, on est dans le noir. Les appareils se gâtent. Or, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Nous, quand on a quitté, on a payé une seule télévision là. On est là, hein? On est là. Flora, comment vas-tu? Ah, je t'en mets là-haut. Donc, c'est ça. Show Clarisse Quadio, bonjour. C'est la vie, on dit quoi? Oui, mais on regarde, on dit rien. On dit rien. C'est pas normal. Aujourd'hui, on est habitué au portable. On doit les brancher et tout. Vous coupez courant. Nous, on fait comment? On fait comment? On fait comment? On est là, on ne peut pas parler. Parce que c'est... courant qu'elle a, elle est trop puissant. Il est puissant, d'être. Il est puissant. Ok, ceci dit, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important dans la vie de tout un chacun. Alors, je reprends. Moi, c'est Thérèse Bazé. Bonjour à tous. Je vous adore, je vous aime. Sans vous, je ne suis rien. Je suis rien du tout. Alors là, rien. Sans vous là, je ne suis rien. Partagez, likez. Par exemple, tu aimes une fille ou bien tu aimes un homme. Et puis l'homme a un enfant.
ou bien c'est un divorcé, ou bien c'est un veuf, ou bien c'est une veuve, ou bien, bon, voilà, une divorcée. Il y a au moins un enfant ou deux qui sont là. Toi, tu es rentré dans leur vie. D'abord, tu es une étrangère. Ce que les gens refusent souvent de comprendre, c'est que quand tu rentres nouvellement dans la vie des gens, il faut qu'ils t'acceptent d'abord. Arantes Wilson, bonjour. Digbe Monique, bonjour. Il faut qu'on t'accepte. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Parce que les enfants ne sont pas obligés de t'accepter. Le monsieur, lui, sait ce qu'il trouve dans toi. Mais les enfants, leur maman n'est pas là. Tu es une étrangère. Et tu es un étranger. Il faut savoir te comporter avec les enfants. Il faut savoir te comporter. Toi, la femme, tu dois savoir te comporter avec les enfants du monsieur. Donc, tu ne dois pas crier sur eux. Tu ne dois pas chose. Tu dois les mettre au même niveau que tes enfants. Didi Samboa, bonjour, comment vas-tu? Ça va être deux Judais. Jalao. Flora, bisous à toi. Donc, tu es venu, le monsieur a enfant. Prends les enfants de la manière que tu prends pour toi. Faut pas faire aimer pour toi et puis ne pas aimer les enfants du monsieur. Ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Ça là, ça va pas durer. Ça ne va pas durer, vous allez vous laisser. Maintenant, toi l'homme, tu as marié une femme, tu as un enfant. Tu as laissé ton enfant à la maison. Ok, il n'y a pas de souci. Tu es parti au travail. La femme est là. Tu dis à la femme, prends l'enfant comme ton enfant. Et puis quand tu laisses l'enfant, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. Toi, tu trouves qu'elle ne fait pas bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Gadi, Balou, Serge, bonjour. Que veux-tu qu'on fasse? Que la femme fasse? Elle n'a qu'à se coucher, ton enfant va marcher sur elle. Ou bien, tu veux quoi au juste? Partager, liker, c'est important dans la vie. On ne sait pas qui va tomber sur un homme marié. On connaît avec un homme qui est enfant. On ne connaît pas. On va se parler ici. Partager. Et liker. Envoyez assez de cœur. Hein. Donc, tu quittes au travail, tu viens, tu ne salues pas la dame d'abord. Hein. C'est à l'enfant là, tu demandes s'il a bien mangé. Comme tu sais que toi, tu vas demander si ton enfant a bien mangé à ton absence là. Pourquoi tu n'es pas resté à la maison pour préparer pour lui? Fallait rester pour préparer pour lui. Il finit de manger, maintenant tu vas au travail. Tu ne fais pas ça. Hein? Toi, tu ne fais pas ça. Tu vas au travail. La pauvre femme, elle aussi, peut-être qu'elle se débrouille quelque part. Aujourd'hui, aucune femme ne veut rester dans la maison. Hein? Nous sommes toutes dehors parce qu'il faut qu'on se cherche. Si tu es pauvre, moi, toi, mes parents sont pauvres. Toi, tes parents sont pauvres. Il faut que chacun coure de gauche à droite pour donner quelque chose à ses parents. C'est ça aussi qui est important. C'est très important. Tu n'as pas, aujourd'hui, on ne peut pas laisser un homme dire à une femme, il faut rester à la maison. Autant de fonctionnaires là. Personne ne veut accepter ça maintenant. Nyonli Evelyn, bonjour. Donc, chacun va se chercher. L'heure à laquelle elle va venir maintenant, elle va commencer à courir, préparer. Et puis l'enfant va manger. Vous devez vous organiser. Hein? Tu es là, tu dis à ton enfant, si il t'a dit que tu es en train de rendre l'enfant même en erreur. Quand tu lui dis, tu as mangé, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu es rassasié? Et puis tu es en train de manger, puis tu prends manger, tu enlèves aussi, tu sers l'enfant. Oh, il a déjà mangé. Ça, ce n'est pas un comportement d'un homme. Ce n'est pas bien. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Toi, la femme, tu ne veux pas que le monsieur crie sur ton enfant. Mais tu ne veux pas qu'il crie sur ton enfant. Prends ton enfant, tu vas le déposer chez son papa. Ou bien, dépose ton enfant chez son papa. C'est là-bas sa place. C'est là-bas qu'il doit être. Excusez-moi.
Excusez-moi, moi aussi, j'ai failli prendre téléphone pour rentrer dans la cuisine. Oh, que téléphone dans la cuisine avec gaz là, ça brûle les gens. Hey, qu'est-ce que j'ai, oh? C'est pas facile, hein? Je vous jure que les gens, le gouvernement doit nous éduquer sur affaire de vieillesse là. On doit nous enseigner ça. Il faut qu'on nous enseigne, on enseigne ça aux gens. C'est fatigant, hein? Et donc, tu ne veux pas que le monsieur envoie ton enfant. Toi, la femme bizarre. Tu ne veux pas que le monsieur envoie ton enfant. Le monsieur aussi ne veut pas qu'on frôle son enfant. Vous êtes dans la maison là, vous êtes comment là-bas? C'est quelle maison vous êtes dedans? C'est dans quelle maison vous êtes? Publiez, partagez. C'est dans quelle vie vous êtes? Quand c'est comme ça là, c'est dans quoi vous êtes? C'est dans quoi vous êtes? Quand c'est comme ça aussi, si vous ne vous aimez pas, séparez-vous. Au lieu de maltraiter les enfants au milieu, parce que ce sont les enfants qui payent les pots cassés. Ce sont les enfants qui payent les pots cassés. Et ça, c'est pas bon. Vous n'avez pas le droit de faire payer les pots cassés à un enfant. Vous n'avez pas le droit. Le pauvre petit, il est là, il est au milieu. Il aime bien son tonton. Ouais, je t'écoute, je suis là. Ouais, partage. Envoie assez de cœur. Tu es là? L'enfant, il aime son nouveau tonton. Bon, de tous les tontons que tu envoies toujours, c'est lui-là qu'il a choisi. Mais c'est lui-là, tu dis, faut pas, il va parler avec lui. Tu le prends, tu mets l'enfant à côté. C'est quelle vie tu fais mener à l'enfant? Demain, si l'enfant est fatigué, ben, il s'en va sous le pont d'Adjamé. C'est là-bas qu'il va rester. Là-bas, au moins, personne pour lui dire, ne parle pas à celui-là, ne dis rien à celui-là. Donc, quand vous avez des enfants, que vous vous croisez, apprenez d'abord. Toi, la femme, surtout, c'est de toi que je parle. C'est pour nous là que je connais bien. Dès qu'on te dit, le monsieur vient net, moi, je vais faire du sérieux avec toi, mon cher. Ton sachet bleu est déjà dans ta main, hein, avec ous de ton enfant, et l'enfant est dans ta main gauche. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu fais ça, c'est pourquoi? Attends, étudiez-vous d'abord. Vous allez vous connaître. Là, si vous connaissez, chacun sait où on s'en va. Parce qu'à la fin, ce que vous ne comprenez pas à la fin, c'est l'enfant qui paye les pots cassés. L'enfant paye les pots cassés. Deux fois, tu vas avec l'enfant. L'enfant là, il est orphelin. Arrivé là-bas, je ne sais même pas quoi dire. Quand tu fais direct net, les gens te fatiguent. Ces mères vont envoyer de ces messages-là. Franchement. Donc, tu étudies bien avant de rentrer. Ah, moi, voilà ce que je n'aime pas. Moi, vous êtes de grandes personnes. Il n'y a pas 18 ans parmi vous pour dire que c'est à la folie. Ça ne peut pas être à la folie. Dès qu'on dit que l'enfant est dans ta main gauche, sachet bleu est là, nounous de l'enfant. Attends. C'est quoi? C'est quoi cette vie-là? C'est quoi? Ayez pitié un jour des enfants. Parce que les enfants, on parle avec eux. Quand le monsieur commence à te fréquenter, tu demandes à ton enfant, ah, voilà ton nouveau tonton qui vient. Est-ce qu'il est bien? Parce que de tous les tontons qui sont venus, peut-être que c'est celui-là qui l'a aimé. Maintenant, il veut faire amitié avec ce tonton-là, tu dis non. Tu ne veux pas. Faut pas, l'enfant va trop se coller au monsieur. Il va parler de ton passé. Aïe, toi aussi. C'est quoi ça? Pensez souvent à vos enfants, hein. C'est beau d'avoir un mari. D'accord, Freddy Gouaï, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous. Vous pensez, c'est pas facile d'être artiste, hein? Tu es artiste et puis aucune souris ne t'apprécie. Mais c'est pas la peine. Tu passes même, on ne t'appelle pas. C'est pas la peine. Donc, on est là pour ça.
Donc, c'est ce que moi j'ai à vous dire. Il faut aimer les enfants des autres aussi. Parce que l'enfant, là, il ne vient pas au monde de choses. Il vient de là. La même manière pour toi est venu là. C'est comme ça que pour l'autre est venu. De la même manière, ton enfant est venu au monde. C'est comme ça que pour l'autre est venu. Et si tu acceptes de vivre avec quelqu'un, la réponse pour quoi on dit quoi? Quand tu vois que tu ne peux pas, faut partir. Faut partir. Deux fois, vous venez là, on ne sait pas où ça a commencé. Pris. Mon enfant là, son papa est mort. L'autre prend le nom de l'autre, il met. Petit palabre, il prend extrait, il déchire. Et puis vous faites ça à la présence de l'enfant. Le pauvre, il est assis comme ça. Partagez, likez, hein. Partagez, likez. Le pauvre petit, il est assis comme ça, il vous regarde. Lui, là, demain, là, ce que vous faites là, c'est ça, il s'en va faire dans son foyer. Ça, je vous le dis, hein. C'est ça, il va aller faire dans son foyer. Parce que vous êtes en train de lui apprendre comment battre une femme, comment étouffer une femme, comment étouffer son mari, comment le rendre minable devant un enfant. C'est ce que vous êtes en train de lui apprendre. Vous n'êtes pas en train de lui apprendre quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas en train de lui apprendre quelque chose. Amen. Merci beaucoup, Paul Arios. Donc, c'est ce que vous faites que l'enfant lui copie. Ce que vous faites là, c'est ça l'enfant copie. Que voulez-vous qu'il fasse? C'est ce qu'il voit. Moi, je me rappelle, j'avais une amie comme ça qui avait... Elle n'a jamais fait d'enfant. Et puis, elle a fait un joli petit garçon. Elle dit, il ne faut pas le sable va toucher l'enfant là. Hé, hey, Daïda, bonjour. Je ne sais pas comment on fait. Oh. Je ne sais pas, je ne connais rien. Oh. Moi, je fais direct parce que les gens font direct. Moi aussi, je fais direct. Je ne connais rien. Et donc, l'enfant est là. Et puis, il a une belle chambre. Il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a tout. Les voitures, les petits animaux, tout ça là, elle a mis là-bas. Et puis, mais il ne parle pas à l'homme. Sa mère dit, il ne faut pas, il va marcher, le sable va le salir, va toucher ses pieds. Elle-même là, elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché dans le sable. Elle ne s'est pas amusée dans Tchakoto. Voilà l'enfant. Il parle comme les animaux. Il se comporte comme voiture. Quand il est là, il fait. Mais personne ne parle avec lui. Prunelle Kona, bonjour. Personne ne parle avec lui. Or, c'est ce que l'enfant voit qu'il copie. Maintenant, il est là. Quand le train fait sa tête comme ça, lui aussi, c'est comme ça qu'il fait. Il fait comme ça. Il est comme ça. Non, non, moi je dis non. Je dis non. Un enfant, il est pour tout le monde. L'enfant même là, vous n'avez pas remarqué. Quand il commence à s'asseoir, sa nourriture là, s'il n'y a pas un peu de sable dedans, il n'est pas content. Et toi, tu dis que tu ne veux pas que le sable le touche. Tu le mets avec les jouets. Et il a le comportement de... C'est son grand frère qui est venu un jour. Il dit, où est l'enfant? Elle dit, il est dans sa chambre. Je viens. Ma petite fille presse, c'est partie à l'école. Oh. Ah, donc c'est moi-même qui ai préparé mon petit jury pour manger. Donc son grand frère demande où est l'enfant. Et l'enfant, il est dans sa chambre. Le monsieur rentre là-bas. L'enfant ne peut même pas. Un enfant qui a déjà 2 ans ne peut pas dire bonjour tonton, ni rien. Il est là, il est... Il dit, mais pourquoi l'enfant se comporte comme ça? Elle dit, non, il ne sort pas. Non, il ne sait pas qu'il y a des petits hommes comme lui. Elle est arrêtée là. Le monsieur, elle croyait qu'il s'amusait. Il est venu la ramasser tous les jouets. Il a jeté
Il a pris l'enfant, il l'a déposé dehors. L'enfant est resté comme ça. Quand il a vu ses amis, les gens petits, petits comme lui, là, il a dit. Mais il ne peut pas dire bonjour. Il est là. C'est seulement il s'est dit. Donc l'enfant là, il faut faire très attention à un enfant. Si tu es là, tu es violent. Regardez, il y a des femmes, par exemple. Quand elles voient la... C'est méchant, hein. Quand elles voient, par exemple, la fille de leur mari. Pourquoi vous êtes méchant dans les maisons même? Vous êtes dans la maison des gens, c'est à cause d'enfants qu'on t'a gardé là-bas. Si ce n'est pas à cause d'enfants là, toi on va te garder dans la maison, pourquoi? Parce que quoi? C'est à cause des enfants quand le monsieur loue maison. Mais là, elle est là. 1, 2, 3. Comme tu ressembles à ta mère là, on ne peut pas respirer. Comme tu ressembles à ta mère là, l'enfant a dit quoi? L'enfant a fait quoi? Donc l'enfant ne devait pas ressembler à sa mère. Quand nous autres on est ici là, on parle, on ne nous considère pas. Mais comme un... Didier, comme tu ressembles à ta mère là, tu as pu sur une mère là, c'est pourquoi? Toi, tu es dans un foyer. C'est passé de l'autre côté, ça n'a pas marché. C'est pas tous les foyers qui marchent. Maintenant, après, chacun peut avoir sa chance de son côté. Mais la pauvre petite fille est étouffée parce qu'elle ressemble à sa mère. Elle est étouffée parce qu'elle ressemble à sa mère. Donc, à côté de toi, elle va aller enlever son visage pour déposer à côté, pour te faire plaisir. Aïe. Moi, je ne comprends pas certaines femmes. Par exemple, il y a un monsieur qui voit une femme. On dit que quand tu aimes la mère poule, tu dois aimer les poussins. Celui qui ne connaît pas le proverbe là, il n'a qu'à mettre ça dans sa tête à partir d'aujourd'hui. Qui aime la mère poule doit aimer les poussins. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la vie qui est comme ça. C'est comme ça que Dieu veut. Il est là à la femme. Et puis un soir, il fait asseoir la femme. Elle est enceinte de lui. Mais elle est venue avec son enfant. Au début, tu n'as rien dit, tu as accepté. Mais elle dit à la femme que voilà. Bonjour. Il dit à la femme, bon, je veux que tu ramènes l'enfant là chez son papa. La femme me dit, pourquoi? Il dit, mais il faut que tu le ramènes. Hein. Il faut que tu ramènes l'enfant chez son papa. Parce que moi, je suis là-bas. Je n'arrive pas à supporter l'enfant. Tu n'arrives pas à supporter mon enfant. Et tu m'as piégé, je suis enceinte de toi. Je suis enceinte de toi. Hein? Je mets mon enfant où? Je vais mettre mon enfant là où? Il y a des méchants garçons comme ça. De toute façon, il y a une méchante femme là. C'est comme ça que y a un méchant garçon. Tu es femme, tu es chez quelqu'un. Tu es chez lui. Il y a des choses dans la vie, hein? Il te nourrit. Il nourrit ton enfant. Il met ton enfant à l'école. Il fait tout. Mais quand le téléphone sonne, que le père de, si c'est le père de l'enfant, ou bien c'est toi qui appelles, tu quittes à côté du monsieur, tu t'en vas communiquer ailleurs. Pourquoi? Pourquoi tu vas communiquer ailleurs? C'est pourquoi? Tu dois communiquer là. Il faut communiquer à côté de lui. Vous êtes au lit dans la nuit, le monsieur appelle. On te demande, tu dis c'est le père de mon enfant. Et il paraît que quand l'enfant doit aller en congé là, elle prend l'enfant, ça va faire une semaine là-bas et puis elle revient. Elle fait une semaine hein, et puis elle revient. Myriam Zawadi, bonjour. Elle fait une semaine là-bas et puis elle vient. Quand lui demande, ah, l'enfant, il ne voulait pas me laisser. Oh. L'enfant, là, il est collé sur moi. Oh. L'enfant est collé sur toi. Oh. Il est collé sur toi. Moi, c'est parce que le monsieur, il est bien. Lui qui fait cela, il est bien. Quand l'enfant est malade, il le soigne.
La fourniture de l'enfant, l'école de l'enfant, l'enfant dans l'école privée. On fait tout ça là pour toi. Et puis tu dis, c'est le père de mon enfant. C'est le père de mon enfant. Et puis quoi? Et puis quoi? Donc, il y a des trucs comme ça, on ne doit pas accepter. Si ce n'est pas ton enfant, si tu as déjà fait enfant, c'est ton enfant. Que tu n'aies pas fait d'enfant ou pas, c'est ton enfant. Prenez soin des enfants, c'est important. N'insultez pas les enfants toujours parce qu'ils ressemblent à leur mère aussi. Ça, ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. C'est ce que moi, je voulais vous dire ce matin. Ils ont ramené courant là-haut. Courant est revenu. Courant est là-haut. On ne sait pas à quel moment ils vont couper encore. Bon, la musique que je cherche, je ne trouve pas, hein. Donc, on va se séparer là, comme ça. On va se séparer là, comme ça, parce que je ne trouve pas la musique. Je ne trouve pas d'un. Anderson Kofi, salut, évangéliste Marcelin, bonjour. Ton nom est passé vite, il n'a pas eu le temps de dire. Il était si beau, il était mignon, il ressemblait à tout ça. Mais quel choix, oui, c'est ma chance. Oh, écoutez un peu cette musique-là. Merci. Dieu, nous ferons des espoirs. Merci beaucoup. J'ai vu, il faut partager aussi. Il faut partager parce que... Ida Mireille, bonjour. Kofi Anderson. Il y a des femmes qui souffrent souvent dans des foyers comme ça. Hein. Elles souffrent réellement. Mais à cause de son enfant, elle ne veut pas bouger. Elle est là. Elle est là. Elle va faire comment? Partagez, likez, écoutez bien la chanson là, c'est pas la chanson de quelqu'un, c'est moi-même qui ai chanté ça. Je n'ai pas pris chanson de quelqu'un ou... Hein. Si. Oui. Tu dois dans la maison, non? Mm. Si. Je t'ai pas donné des enfants? Oui, que. Oui, que. Ta bouche est comme du roi, là. Tu manges pas. Je mange au... Gourmand. Tu es étonné. Regardez-moi ça. Je vais foyer. Seigneur, je vais foyer. On vous met dans le foyer, les couleurs qu'on va vous voulez montrer aux gens, quoi. Il n'y a rien vu encore. Là, levez ça dans tes yeux, ici. Aïe, la fontaine. Ten qui ne t'arrive jamais. La fille d'Aferi.
Hey, chérie. Y'a quoi? J'ai besoin d'un peu d'amour. Amour? Hein? Ouvre-moi un peu ton cœur depuis que tu m'as déposé dans la maison là. Hein? Tu fais rien avec moi. Tu vas faire quoi à toi? Tu deviens ornement. Keifa au matin. Ça, c'est depuis Paris. Ange Keifa, la fille que fallait. Pour lui, tout ça suffisait. Oh, c'est faux, j'avais besoin de son cœur. Son cœur, son cœur. Oui, ton cœur, j'avais besoin de ton cœur. Ah, c'est mon cœur, ça m'a tué. Tu veux pas le foie aussi? Attends, il prend un couteau, il coupe les dents, tu as mangé. Tu es mauvaise, hein? Mon quoi, Morissette, la fille bénie de Dieu. Où est Casimir, le maître du savoir? Yes! Madame Elogne, Sali, hein? Madame Agnero, Massa, Massa Paris. Bien, voilà, merci beaucoup. Que Dieu veille sur nous, que Dieu nous protège. Mmh. Ah, ça suffit. Oh. Toi-même, tu prends ton mari là. Les pépérons là, moi c'est la marraine. Je suis de la. Ton mari, tu peux le façonner. Ta femme, tu peux la façonner. Voilà. Si tu ne le fais pas, personne ne fera pour toi. Je vous dis au revoir. Je dis à la prochaine. Allez, bisous. Je vous adore.